ce point de presse conjoint. Nous avons visité les travaux de construction, disons, de revêtement de la rue principale de Camperin, plus précisément en Bacan, où nous allons bétonner près de 2,5 km. Ce sera le plus grand boulevard du sud. Et cette zone qui est un peu ignorée, je ne veux pas dire humiliée, par certaines personnes, longtemps, sera le plus beau boulevard du Grand Sud. Ce sera un boulevard long de 2,5, d'une longueur de 2,5 km et d'une largeur de 10 mètres. Nous avons aussi visité une petite innovation, parce que comme vous le savez, dans la caravane, il y a beaucoup d'innovations. Nous avons trouvé des bétonniers le mois dernier, des bétonniers donnés par un pays ami, mais abandonné dans un garage. Nous avons récupéré ces machines et maintenant nous sommes en train de produire du béton hydraulique avec ces bétonniers. Nous sommes en train de produire du béton hydraulique pour faire les 2,5 km de béton hydraulique pour vous expliquer. La différence qu'il y a entre l'asphalte, qui est le béton bitumineux, c'est ce que vous voyez que nous avons fait sur la ville des Cailles, sur la route qui conduit vers Camperin aussi. Mais la ville de Camperin, nous sommes en train de mettre du béton hydraulique. Cela veut dire le béton que vous connaissez tous. Nous sommes en train de mettre ce béton. Pourquoi? C'est parce que c'est une ville qui reçoit beaucoup d'eau. C'est pour ça que nous sommes bien obligés de faire toute cette route en béton hydraulique. Je remercie la présence de Madame Mohamed parce que le pays qui se trouve aujourd'hui sous un nouveau leadership, Madame Ahmed a bien compris qu'Haïti a besoin d'une autre forme de coopération aujourd'hui. Je remercie Mme Suzanne, qui est avec elle, toute la délégation d'ailleurs. Et nous avons aussi parlé du financement. Je parle du fonds pour l'éradication du choléra. Nous sommes en train de réfléchir pour trouver une forme de financement innovante pour permettre à la population haïtienne, pour permettre à toutes les victimes du choléra, je dirais, les Haïtiens qui habitent sur ces 27 750 km² d'Haïti. Nous sommes en train de travailler avec les Nations Unies pour trouver une formule innovante afin de financer les infrastructures hydrauliques et sanitaires à travers le pays. Parce que éradiquer le choléra, ce n'est pas de donner de l'argent aux gens seulement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de donner des vaccins aux gens. Ce n'est pas ça. Mais éradiquer le choléra, c'est augmenter notre capacité en matière d'accessibilité à l'eau potable, en matière d'accessibilité au bloc sanitaire, parce que un pays qui se respecte, comme je l'ai dit lors de mon discours du 1er mai de cette année, je ne veux pas de latrine dans le pays. Je ne veux pas de latrine dans ce pays. Maintenant, je pense que le message est clair et les Nations Unies ont bien compris et nous allons faire un beau mariage pour travailler ensemble pour qu'enfin Haïti, qui est membre fondateur des Nations Unies, puisse travailler pour apporter une solution durable à ce problème de choléra. We moved from the visit in Saint-Michel to come down to join your caravan, Changement. And I think this has been what has impressed us, because we are convinced, yes, we will do the work to get behind Haiti, to turn every stone till we find zero transmission. But what is more than that is your vision for investing in Haiti's future.
the future of the people, the young men and women of Haiti. And we saw that in what we went around today, in the infrastructure that is necessary for you to build your country. Without infrastructure, you cannot have the jobs, you will not make the revenue, you will not have the resources to pay for the services in water, in sanitation, in health, in education. So we do agree, this is beyond charity, this is investing in your future. We saw the innovation, given that you are doing what you can with the resources that you have. And I think that shows that if Haiti can put that step forward, then many more steps should come behind you to support that effort. And I believe that the international community will certainly see and hear through us when we go back to the United Nations, when we go back to the World Bank, when we speak to investors, that this is a new era for Haiti, and that Haiti deserves the chance of having your future invested in. There are many to ensure that whatever you do on this caravan of change is a beginning, that you find your bigger plan in strengthening your institutions, in bringing knowledge to the communities of what you are doing and doing with them, so that we can carry sustainability in this. We can see the sustainable development goals, all 17, be achieved by 2030 in Haiti. It is not impossible. You become not a hope just for Haiti, but you become a hope for this region, you become a hope in this world when people have given up. When people don't believe, you create the opportunity for people to believe again. And I think this is important, that whatever it is that we see a light at the end of the tunnel. Maybe a long tunnel, maybe a long walk, but you began that walk, and what we are committed to do in the United Nations is to accompany you, and is to bring many, many more people than the United Nations to help lift Haiti in the place it ought to be in the global village. So we thank you for sharing what you have with us today, and we commit ourselves, we leave behind Susan Page, who is a woman of substance, who will, you know, articulate what the Secretary General Antonio Guterres has. He too has a vision for Haiti, and that vision is to support the leadership here to succeed. And so what I can say is to be continued. We are still on the journey. I thank you. We have a way to go, but ladies and gentlemen, thank you very much. I want to begin by thanking the President, the Prime Minister, many government officials we met, but especially the communities, the heroes that we saw working at the front line in the communities that we went to, many from civil society, and a special place for the victims of cholera that we had time to speak with and to hear from them directly, their concerns, their aspirations. This visit is about the Secretary General's reaffirmation of the importance of Haiti to the United Nations. It comes when there is a new era of new leadership at the United Nations, in Haiti, in the government, and also in the United Nations. It's important that we acknowledge the work that has been done. Albeit we may have fallen short, certainly we have seen efforts that have been made that have yielded results such that we have a 99% reduction in the transmission of cholera. And I think the people of Haiti, the United Nations, the partners that we've had have all had a big role to play in this and should be congratulated. Having said that, the glass is half full, and the other half we must fill. In our visits to the field, we visited communities that had suffered from cholera. In fact, we just came back today from what we would say is the epicenter in Miribalet. But yesterday we visited communities still suffering, where we had centers that there were children and women who had contracted cholera. We also went to the communities to see the rapid response teams doing fantastic work in identifying and trying to deal with the homes of who had children and women, and mostly children and women. This is where the burden falls. Lucky enough to meet one or two children that have recovered, and there may be many that don't, and that's where our hearts are heavy and we have to do something about it.
Today's discussion, as we spoke about cholera, was about people being fatigued, being tired about when would the United Nations come and deal with the end, zero transmission of cholera. And while we acknowledge it's taken a long time, we also know that there are lessons to learn and that it's never too late because every one life matters. And so in our visit, our energy has been increased, our commitment, our passion to do what we need to do with our special envoy, Joseph Chirin, of course, is Susan Page, who is holding fort here, and Dr. Diallo, who, as a medical person, has a heart to know what it is about, because that has been his life's work. We also visited some communities in Saint-Michel, where we saw community efforts by the church and women and men and young people, very young, I think they were about 9, 10, 11, who were involved in bringing an end to open defecation in their communities, in building toilets in their communities. Because if we are really to end transmission of cholera, we have to think about the water and sanitation. We have to think about how we approach the whole issue of sanitation, and that means that behaviors have to change. And here we see the partners coming together with the community and succeeding at, in small places, which means we can take it to everyone. We can leave no one behind. À la fin de la visite conjointe que la vice-secrétaire générale des Nations Unies et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti sont en train de conclure en Haïti, Madame la vice-secrétaire générale a tenu à partager quelques points essentiels des observations et leçons qu'elle a apprises au cours des rencontres qu'elle a eues et des visites qu'elle a faites dans ce pays. Elle a commencé son propos en parlant de l'avènement d'une nouvelle ère de partenariat. De nouveaux partenariats entre Haïti et les Nations Unies. Haïti, qu'elle a qualifié de pays membre fondateur des Nations Unies et de pays qui a droit à l'attention, à l'assistance et à l'accompagnement du système des Nations Unies. Elle a adressé ses remerciements à tous les Haïtiens et à toutes les Haïtiennes qu'elle a eu le privilège de rencontrer. Elle a commencé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, mais également elle a parlé des communautés, des familles haïtiennes, des Haïtiennes et des Haïtiens qu'elle a eu le privilège de rencontrer dans les communautés qu'elle a visitées, à la fois dans le département de l'Artibonite, dans le département du centre, mais également dans le département du sud-ouest. Elle a aussi parlé de ces hommes et des femmes et ces femmes qu'elle a rencontrées dans les communautés qui travaillent d'arrache-pied dans la lutte contre le choléra et pour redonner une dignité aux victimes qu'elle a appelées ses héros. Elle a parlé aussi aux victimes, à la fois dans des rencontres à Port-au-Prince, mais également partout où elle a visité, avec toujours son même message. Nous voulons vous montrer que nous avons l'ambition de vous écouter et de pouvoir aller avec vous vers des solutions qui remettent en place votre dignité d'homme, qui reconnaissent les souffrances qui vous ont été causées, vous, vos familles et les personnes qui vous sont chères, mais également aux souffrances qui ont été causées à ce pays par l'épidémie de choléra. Elle a continué son propos en disant que la lutte contre le choléra, pour lequel elle a donné un crédit important au gouvernement d'Haïti et au peuple haïtien, a commencé à déjà donner des résultats impressionnants. Il y a par exemple, elle l'a cité, près de 99% de réduction du nombre de nouveaux cas et près de 99,5% de réduction du nombre de décès. Mais comme elle l'a dit dans son propos, la lutte la plus difficile, c'est le dernier kilomètre, comme dans un marathon. Et ce dernier kilomètre pour éliminer complètement le choléra et sa transmission dans le pays est la plus difficile et elle demande à ce qu'on continue la mobilisation. Elle a visité les communautés. Elle a tenu particulièrement à parler de ces communautés dans l'Artibonite, à Saint-Michel de l'Atalaye et dans son voisinage, où elle a rencontré des hommes et des femmes, mais aussi des enfants, qui sont investis dans les activités de lutte contre la défécation à l'air libre, pour la mise en place de systèmes sanitaires et de systèmes d'hygiène qui permettent aux communautés de gérer le péril fécal et de gérer le péril lié à l'eau. Elle a surtout parlé de ses enfants, avec lesquels elle a pris une photo, qui ont montré leur engagement à pouvoir faire ce travail. Elle a continué son propos en disant que dans la rencontre qu'elle a eue aujourd'hui et qu'elle a eue hier avec les victimes, aujourd'hui à Mirbalé, hier ici à Port-au-Prince, elle a simplement dit que les victimes sont peut-être fatiguées de toutes ces discussions. Ils attendent de voir des actions. Et aujourd'hui à Mirbalé, elle a carrément dit aux ceux qui étaient réunis là-bas que si la prochaine fois il n'y a pas d'action concrète à Mirbalé, qu'ils ne la reverront pas là-bas, ni elle, ni l'envoyé spécial pour avoir d'autres discussions. Qu'elles veulent maintenant des actions. Let me say that over 40 countries have indicated that they will contribute
I think the amount that we have collected so far falls very far short of what is needed. It is a call that we have to the international community that we have to do better. So while we have commitments that are in excess of 40 million, I would say that we have still very far short of where we need to be, and we need to do much more quickly. La vice-secrétaire générale confirme effectivement il y a eu déjà près de 40 pays qui ont fait des annonces de contribution. Et entre les annonces de contribution et la libération effective des contributions, cela dépend du rythme de chaque pays. Mais sa conclusion, c'est de dire effectivement ce qui a été recueilli est encore en deçà de nos attentes et en deçà des ambitions que nous avons pour cette collecte de fonds. Mais au-delà de ça, ce qu'elle propose de faire en concertation avec les communautés, c'est de commencer déjà à voir, ne pas attendre et continuer d'attendre et de faire attendre les victimes et les communautés, c'est de voir qu'est-ce qui a été mobilisé et quelles sont les premières actions qui peuvent être mises en route pour montrer aux communautés que cette fois-ci, il y a une ambition de faire les choses différemment. Haïti, encore une fois, est en train de faire l'histoire à travers la tenue de ce troisième forum de l'Amérique latine et des Caraïbes sur le VIH-Sida. En plus de la joie que vous avez de vous retrouver sous notre soleil tropical, vous aurez l'occasion de pouvoir discuter entre vous de sujets brûlants d'actualité en rapport avec la pandémie du VIH-Sida. Pendant les trois prochaines journées, les discussions vont être animées et j'espère que les fruits de vos réflexions seront à la dimension des attentes de ces milliers de patients de notre région frappés par cette maladie. Point n'est besoin de rappeler que ce forum a pour objectif de mettre en place un espace de discussion entre les pays d'Amérique latine et des Caraïbes afin de non seulement générer un consensus sur les priorités régionales et les stratégies pour soutenir l'expansion rapide d'une réponse intégrée, efficace et intersectorielle du VIH dans la région, mais encore de garantir un financement durable de la riposte au VIH nécessaire à cette dernière d'ici 2020. PAO, et qui est l'une des chevilles ouvrières de ce forum, et nous allons donc appeler son représentant en Haïti, le docteur Luis Codina. Troisième forum latino-américain et caribéen de VIH. Les deux premiers ont été à Mexique et au Brésil, et ce troisième en Haïti va se pencher surtout sur la pérennité et la durabilité de la réponse des pays au VIH, dans le cadre d'éliminer le sida comme un problème de santé publique à l'année 2030. Et pour obtenir ça, c'est urgent l'accélération de certaines mesures, entre elles l'augmentation, l'accès et couverture du traitement antirétroviral, réduire la mortalité associée au VIH, augmenter les ressources des pays pour le combat au VIH, valider l'élimination de la transmission périnatale du VIH et de la syphilis congénitale. La pérennité de la réponse au VIH ne s'agit pas seulement de la prise en charge du financement de chaque pays sur le VIH, mais aussi de développer une stratégie qui prenne en compte l'intégration des programmes dans les services de santé. Et ça implique aussi de certaines réformes dans les services pour pouvoir recevoir des programmes qui, en fait, sont des programmes verticaux, comme on a beaucoup, pour horizontaliser un peu et les intégrer dans les services, dans le quotidien du travail des services de santé.
Pendant que vous êtes ici au cours des trois prochains jours, je vous exhorte à essayer de connaître mieux ce peuple qui, pour moi, a un trésor illimité de générosité, de créativité, de résilience et d'hospitalité. Alors, je demande aux organisateurs de votre forum de ne pas vous garder dans cette salle pendant trois jours, de vous permettre de finir à temps et de sortir pour visiter Port-au-Prince. Allez à l'encontre. Visitez Port-au-Prince, dis-je, et allez à l'encontre des Haïtiennes et des Haïtiens qui travaillent au quotidien pour essayer de gagner leur vie et de pouvoir soutenir leur famille. Et en allant à leur rencontre, je vous demande spécialement de faire deux choses. Allez manger la cuisine haïtienne, faite de recettes centenaires que les grands-mères et les mamans de ce pays ont continué de raffiner pendant des années et qui sont faites avec des produits locaux frais et biologiques. Et ensuite, deuxième chose que je vous demande de faire, allez visiter les artistes haïtiens et haïtiennes. Et s'il vous plaît, si vous avez de l'argent, achetez des toiles et achetez des œuvres d'art pour encourager les haïtiennes et les haïtiens. Ceci est un bon investissement. Il est essentiel que les populations aient accès à la gamme complète des options de prévention du VIH afin qu'elles puissent se protéger. Pour un effet optimal des financements, il faut orienter les démarches par zone géographique et par population afin d'atteindre les personnes les plus exposées avec des options de prévention combinées tenant compte du cadre de vie et de l'activité professionnelle. L'administration Moïse Lafontaine réitère son engagement à œuvrer pour une riposte efficace et efficiente à l'épidémie du VIH dans notre pays. Des efforts seront fournis en vue de la poursuite des initiatives visant à mobiliser les ressources aussi bien internes qu'externes en faveur de la lutte contre le sida. Mesdames et messieurs les experts, Madame la Première Dame de Belize, honorables invités, Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de remercier les organisateurs pour avoir autorisé la tenue de cet atelier en Haïti et nous offrir sa caution morale matérialisé par la présence de plusieurs hauts dignitaires à nos côtés. Notamment, je veux citer la Première Dame de Belize qui a fait le déplacement. La Première Dame d'Haïti, Madame Martine Moïse, qui a dû répondre à une obligation pour laquelle elle s'y était déjà engagée, m'a prié de vous saluer tous et d'en profiter pour vous assurer de son soutien à cette activité, mais aussi de son intérêt particulier pour le secteur santé. C'est justement pourquoi, et pour le prouver, qu'elle accepta récemment le rôle de présidente du CCM Haïti, rôle qui lui permettra d'être encore plus proche de vous dans la réponse aux maladies suivantes, VIH-SIDA, tuberculose et malaria. Un remerciement spécial à l'ONU SIDA et toutes les autres institutions régionales qui encouragent et accompagnent ce processus dès le début et qui continuent avec la même détermination. Quant à vous tous ici présents, de nombreux défis nous attendent pour une amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens vivant avec le VIH. Donnons les informations justes et utiles pour une meilleure observance des droits de l'homme, indispensable à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la personne humaine. We'll be right back.
Mesdames et messieurs, autorités locales, ministère santé publique et population fait un pile effort pour y mettre local ça disponible pour population. Grâce à support député, nous comprenons qui j'en était urgent pour nous l'ouvrir maternité ça. Maternité ça a aidé femmes par bord ici yo accoucher dans pays sans yo pas traverser frontière pour yo aller kay voisin. Moi invité nous faire bon utilisation de lit et puis éviter gaspillage pour nous ka servir avec lit au maximum. Moi mandé vigilance nous pour nous kembe lit propre pour local l'arrêter en bon état parce que c'est un problème qui gagne en Haïti. Ou inaugurer maternité a ou bay tout équipement et l'autre tourner après 2-3 mois tout équipement disparaît, maternité en salle. Donc moi compter en pile. Moi compter en pile pour autorité locale, autorité qui présent qui vivent dans un sapit pour aider nous kembe maternité ça propre et en bon état pour l'aime tourner dans un mois dans 2 mois pour me joindre ni Jean nous t'inaugurer là. Jean proverbe la dit, mais en pile, chay pa lou. Mesdames, maman c'est une grosse responsabilité. Première charge en maman, gagné c'est pour protéger petite li. Protection ça a commencé depuis dans ventre. C'est ça que fait depuis là nous connaissons nous ancêtre, c'est pour nous venir suivre dans belle santé ça qui relait nous chez maître, chez maîtresse. Mande docteur yo, fait tout test pour nous. Pour petite nous capable faire en santé sans j'aime aucune maladie. Éviter meilleur passer mandé pardon et puis nous éviter faut que nous connaît. Faites sida pour nous protéger tête nous à tout petit bébé qui dans ventre nous parce que là nous fait test nous n'a aider pour maladie à pas sauter dans corps nous pour aller dans petit monde. Donc petit monde ça n'a pas une chance pour lui faire sain pour lui faire sans j'aime sida. Maman c'est la vie. Non, femme c'est la vie. Maman c'est potomitan. M'a continuer travail sans camper pour nous toutes mesdames moi yo. Capable joindre on la vie meilleure que n'a cherché et que président Jovenel a bataille sans prendre souffle pour l'offrir nous. Merci en pile. Il doit pour répondre à yon triple exigence. D'abord, nourrir la population, créer emploi et générer revenus et devises à travers des cultures d'exportation qui sont capables de voir dans l'autre pays. Et ministère de l'Agriculture, en principe, intervenu dans 3 sous-secteurs. C'est le secteur agriculture lui-même, secteur élevage et ressources naturelles. Donc, en termes de sur le plan économique, BRH dit que contribution secteur ça à l'économie pays est estimée à environ 27% de produit interne brut là. Mais
paramètre ça li gagne un petit baisse de 2011 à 2016 li vin à 24%. Ça qui vient représenter diminution ça un challenge pour ministère pour nous voir si la remonter la contribution secteur. Mais malgré tout, il est toujours représenté en force en ce qui a trait à la création d'emplois, puisque 45% de emplois à travers tout le pays sont sortis de secteur. Et particulièrement 63% dans la zone rurale. Donc, selon toujours BRH, taux de croissance secteur était 3% pour l'exercice 2015-2016. Alors que croissance globale économique était de l'ordre de 1,5%. En termes de contribution à sécurité alimentaire, apport secteur est estimé à environ 48% de besoins nationaux en termes d'aliments, alors que nous avons environ 50% qui sont satisfaits par des importations de l'extérieur, et le reste par l'aide alimentaire. Donc, nous pensons qu'il faut que nous mettions plus d'accent sur le secteur dans le cadre du développement politique, nous, de redynamisation du secteur. Il y a une politique actuellement qui était guidée par le président de la République, là, qui était dictée au Premier ministre pour mettre vision sans application et Premier ministre te soumettre une feuille de route à secteur ça. Son feuille de route assez ambitieuse qui groupait en près de 7 à 8 thèmes et environ 60 activités ou interventions à développer. Et actuellement, nous en plein campagne d'hiver que nous avons préparé, son campagne pour qui commence dès maintenant pour jusqu'à février. Mais son campagne qui concentre surtout autour de nos plaines irriguées. Et coût prévu pour campagne ça a dépassé, presque dépassé 1 milliard de gouttes, puisque il concernait près de 84 périmètres irrigués que nous devons pour nous mettre en état juste avant que ce milieu commence. Et 84 périmètres ça a permettre d'étendre sur environ 25 000 hectares. Donc, actuellement, nous avons organisé la campagne. Là. Nous commençons avec formation, sensibilisation. Nous avons fait appel d'offres pour les intrants. Nous avons fait démarche dans le cadre d'acquisition de tracteurs, d'accessoires pour la mécanisation agricole. Et nous avons organisé suivi et évaluation de la campagne. Là. Pour campagne ça, il est évalué à 1,250,322,475 gouttes. Campagne ça, nous sommes lancés dans Inche, côté nous avons commencé à distribuer des pompes d'irrigation et des bons d'achat pour les intrants à environ 2 milliers de planteurs. Et nous avons lancé le tout dans la Thibonite, particulièrement à Marchand, lors de la commémoration de la mort de Dessalines, côté président, te remettre des clés d'environ 50 tracteurs à 12 coopératives de production que nous formons dans le cadre de la caravane, qui chaque coopérative a géré des blocs de 500 hectares. C'est une bagaille qui expliquait, qui illustrait la phase structurante de la caravane, puisque opération coup de poing caravane qui te permet que nous adresser à des problèmes profonds comme curage de près de 197 km de canaux dont plusieurs ans yo te gain près de 10 ans que yo pas curé, nous te obligé employer opération ça que nous relé opération coup de poing qui te mobilisé en pile matériel, gros matériel pour nous être capable de faire face à l'obligation. Mais actuellement, dans la Thibonite, nous sommes en phase structurante là, côté que nous avons encadré ces 10 blocs de production,
nous déjà transformé en coopérative et démarches parallèles à faire pour l'octroi de crédit au niveau du FDI, au niveau du ministère des Finances, ministère du Commerce, pour que chaque coopérative ça yo, qui est bien structurée réunit des conditions pour bénéficier de crédit ça, pour être capable d'armer tête de plus de matériel. Et nous pensons, distance pour mandat 5 ans fini, nous avons quitté Valéa à plus de 1500 tracteurs. Alors que actuellement, seulement le après-inventaire, nous joignons que gagne 150 opérateurs. Donc, nous possédons à l'école moyenne de formation en mécanisation agricole et en entretien que nous pourrons mettre au niveau de Pont-Benoît et au niveau de l'école moyenne d'agriculture de la vallée de la Tibonite. Ça pourra permettre que nous absorbions environ 3000 jeunes à raison de 150 par session de formation, ce que nous avons quitté. Couvrir événement ça, hein? Donc fusion en mode de congrès, c'est-à-dire depuis mois d'octobre là, nous décrété un ensemble de congrès régionaux n'a fait qui pour culminer vers le congrès national. Nous avons un congrès national que n'a fait année ça pour nous capable renouveler Sanda Karele directoire partia et ensuite dirigeants au niveau départemental et même au niveau communal. Donc c'est ça qu'on a fait là. Déjà nous fait 3-4 congrès déjà. Nous fait congrès NIP, nous fait l'Ouest 2, nous avons fait la Tibonite Bas à Tibonite. Donc nous fait l'Ouest 2 Jodia et dans le 1er novembre nous avons fait l'Ouest 1. Donc semaine prochaine nous allons continuer avec Plateau Central et ensuite le Nord. Nord-Est et Nord-Ouest et pour nous finir dans fin mois ça pour nous finir avec tout congrès régional et au cours du mois de décembre pour nous faire congrès national patia côté que nous pralguin de nouveaux dirigeants. Donc congrès c'est un moment assez vibrant, c'est un moment assez intéressant dans vie ou parti. C'est moment côté que il y a pile animation, je dis à la ou était un paquet d'animation, déjà gagné élection dans Patia, c'est pas consensus que nous fait, c'est élection et où les deux candidats qui étaient là yo, yo présenté programme yo, yo présenté tête yo, yo vente tête yo by délégué yo. Donc on vote qui fait un vote très démocratique et nous très satisfaits de ça qui passé à l'en garder deux candidats ça qui étaient deux bons candidats, donc nous obligé conserver tous les deux. Donc nous avons un coordonnateur qui est élu et puis un coordonnateur adjoint qui sera le responsable de Santa Carrele, nous relé et responsable à l'organisation pour toute zone ouest de novembre 1995, Emma existait et Emma a réalisé déjà 6 formations de magistrats. Et mission Emma, c'est pas seulement former des magistrats, suivant la loi du 15 novembre 2007, il faut former d'autres acteurs judiciaires. Alors comme dans formation, comme une formation initiale, formation continue. Et pour l'histoire, c'est la première fois que Emma organisait une formation de greffiers. Donc, maintenant, c'était cérémonie solennelle pour rentrer et promotion greffier ça. Et forme d'où bien, ce n'est pas voie de concours. Téléguine était participé, était suivre. Période de concours là, parce que l'admissibilité et l'admission.
et 40 et moun ki réussi au matin à rentrer l'école de la magistrature dans une cérémonie officielle où nous réalisons la présence du président du CSPJ, en présence du représentant du ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice a été représenté par le directeur affaires judiciaires là, et en présence d'autres amis. C'est une très grande cérémonie où 40 élèves greffiers et après, immédiatement après, il y a un vin d'honneur qui était dans la cafétéria. Donc en gros, c'est comme ça va la passer. Il y a un métier magistrat, un métier greffier. Et la mission de l'école là, c'est rentrer dans la dynamique et c'est savoir être et savoir faire. Savoir être, il faut un bon magistrat, un bon magistrat, un bon greffier. Mais faire savoir faire là, il faut que ce soit un greffier qui est apte à remplir fonction. Donc c'est pas n'importe comment rentrer dans la profession, comprendre. Et c'est pourquoi fonction publique qu'on y a là, l'État dit pour rentrer dans la fonction publique là, faut passer par votre concours. Et loi sur l'école de la magistrature, c'est pas au concours rentrer la donne. Donc nous voulons revaloriser et métier, revaloriser parce que là c'est pas monde qui prend les parachutes et rentrer. Nous avons renforcé non seulement la capacité, tout ça dans le système là, qui remplit les conditions. Et nous avons intégré tout le monde qui formé pour nous renforcer. C'est certain que des greffiers qui ont, je dis à la parole, greffiers qui ont 48 ans à fonctionner comme greffier. Nous avons un greffier qui a 84 années d'âge. Et il a près de 53 ans depuis qu'il a fonctionné comme greffier. Donc, greffier ça, qui sont des hommes de valeur, faut au moins mon capacité là il faut aussi des valeurs. Donc c'est pourquoi nous rentrons dans une dynamique pour nous renfermer nous dans la loi 15 novembre 2007 là, hein, et dans loi dans décret 22 août 95 là tout qui dit pour mon greffier faut son licencié en droit pour rentrer dans cour d'appel, cour de cassation, tribunal de sanction, faut licencié en droit. Donc nous organiser concours là et ça t'a étonné monsieur Sao. Ils ont étonné nous puisque tellement compétents, ils ont tellement passé brillamment le concours là. Donc c'est certain, c'est ça nous espérer que les intégrer système là, nous parlons de véritables professionnels, de véritables greffiers qui comptent métier greffier. Et ceci forme nous bien. Et dans le pays francophone, moi prends la France par exemple, ils ont fait greffier à mettre tout, c'est pour greffier à rendre compte que c'est le travail avec magistrat, c'est bras droit magistrat. Si greffier a c'est en contact avec la société, donc faut greffier gonser des notions, faut le connaître. Et greffier, longtemps te dit, je qu'on qualifie greffier de teneur de plume, qu'on a greffier moderne, c'est pas seulement teneur de plume, mais non, yo qu'on computer, yo parle langue, écrit langue tout, comprenez. Donc yo des procédures et tout. Donc c'est ça que fait nous voulons, comme l'école la ses missions. Intégrer dans le système, dans renforcer le système, dans renforcer l'institution, comme c'est l'État, au sens du président, a déclaré péremptoirement dans le discours, lui-même est là pour venir renforcer l'institution. Et l'école magistrature était déjà dans la mission, ça, là, pour travailler pour renforcer l'institution. Et le ministère de la Justice qui appuyait l'initiative, ça, parce que là, l'école là, a 22 ans, et c'est la première fois là, organiser une formation initial pilote de greffier. Nous pour ouvrir classe pour huissier. Nous pour former huissier tout parce que le système a besoin de monde. Il y a besoin de monde qui est capable de prêter main forte parce que justice n'a décrié. Mais si justice a gagné des mondes compétents et sérieux là-dedans, nous sommes sûrs de la progresser. Le ministère de la Justice, comme vous le savez, est administré par le magistrat Heidi Fortuné. Effectivement, c'est quelqu'un qui est viscéralement attaché à la cause de la justice, donc de la magistrature. Et en ce sens, il était question pour lui de faire en sorte qu'on essaie de professionnaliser certaines professions judiciaires. Et c'était le cas, logiquement, pour les greffiers, dans le cadre de la cérémonie inaugurale d'aujourd'hui, devant permettre que une quarantaine d'élèves greffières et greffiers soient formés pour les 6 mois à venir au sein de l'école de la magistrature. Donc notre implication à ce niveau, c'était de faire en sorte que toutes les formalités soient remplies pour qu'effectivement qu'on démarre avec la formation initiale
Et c'est une formation pilote aussi qui démarre dès cette semaine. Donc on est conscient des lacunes et de certaines critiques qui sont portées sur la qualité du travail qu'offrent certains acteurs judiciaires. C'est dans ce sens que le ministre Edi Fortuné, ainsi que le directeur général de l'école de la magistrature, qui avait reçu les instructions du ministre, c'est ainsi qu'ils ont fait en sorte que ce rêve devienne une réalité à travers cette cérémonie inaugurale. Activités ça qui sont mini-séminaires que l'Institut des auditeurs internes, dans le cadre semaine 6e édition, semaine de l'audit interne, organisé au bénéfice des étudiants et venant des universités qui a enseigné, ou du moins c'est un programme en sciences administratives. Donc, université qui se crée à INU, KINA, GUE, ENAF, etc. Qui ça programme ça lui-même gain là-dedans? Programme ça son mini séminaire portant sur un aspect très intéressant dans audit interne qui c'est la cartographie des risques. Donc, qui ça lié? Qui ça lié? C'est un élément qui permet parce que la profession là, si vous capable font plan de travail, que nous les plans d'audit, donc faut capable identifier risques au sein de l'institution ou bien au sein d'organisation. Pour qu'à permettre professionnel lui compte qui j'en peux faire c'est pour quoi qui facile et puis avec ça il est capable planifier travail pour capable mener une mission d'audit éternel. Ça va mon bon côté même non parce que et chaque 8 jours mon petit séance on a chaque 8 jours on va arrêter non souffre moi poupée tellement souffre moi wo on va arrêter on va pas jouer des séances par semaine tout comme enflé on va capable rester encore presque mourir tout le monde besoin cou mes amis ou pas yo pas aborder parce que 4 machines seulement 3 machines qui gagne qu'on y a la même chaque monde besoin la vie chaque monde un bagage. On a obligé au bac à faire des séances passées maintenant. Le président Jovenel ouais ça l'a fait pour nous parce que peuple a mouru a fait dialyse ne pas supporter encore et pas faute docteur pas faute missan yo yo te ka fait pour nous pas une machine faire un gens pour nous dit Jérémy m'vin l'hôpital Port-au-Prince m'tande dialyse on bagage dialyse première fois m'tande bagage dialyse ça cathéter en coum m'pas marcher m'presque mouru président Jovenel. Peuple grand dans ses votes en pile. Mais voyez machine dans grand dans son majeur une petite moi Jérémy. M'porte au prince, m'pa connou ken moun vote au prince. Là pour me faire dialyse à fort manger, m'pa gen l'argent, m'pa gen rien. Et quand on moun fait à descendre, ou ça va faire pour nous? Bon juste service dialyse là. Juste pas tellement fin fonctionner normal parce que nous gen problème machine pour nous fonctionner normal. Juste n'ta remé pour nous tout à fait tout moyen possible pour nous ta fait nous joindre quelques machines et là pour nous capable dialyser pour nous ca joindre soin normal non juste à cause des machines nous pas gagne nous pas joindre soin normal non juste n'a demandé président juste pour faire tout moyen possible pour nous pour créer tout moyen pour voir quelques machines pour nous ca dialyser normal. Combien fois tu as supposé dialyser et chaque semaine? Juste nous avons supposé dialyser chaque semaine 3 fois par semaine, mais parfois nous dialysons une seule fois. Parfois nous ne faisons que 8 jours, 12 jours, nous ne dialysons pas à cause des machines. Juste, si des machines, nous pour nous-mêmes, nous sentons notre cas normal. Mais à cause, pas de moyens impossible pour nous sentir normal à cause des machines. Juste nous avons pour nous faire tout le moyen possible pour nous
pour nous joindre quelques machines ici là pour nous dialyser. Nous pas senti nous bien, nous qu'on a pied nous qu'on a enflé, juste nous qu'on pied nous qu'on a enflé, nous qu'on presque décomposé à cause de dialyse ou pas dialyser. Bon, message tout à fait pour responsable, juste notamment de pour créer tout moyen possible pour nous presser pour être capable de voir quelques machines pour nous ici là pour nous capable dialyser. Le nombre de patients pour nous dialyser par jour là, donc il vient un impact sur lui parce que normalement nous dialyser 4 le matin, 4 l'après-midi, donc si le nombre de machines yo en panne, donc nous pas capable prendre nombre nous voulez chaque jour. Mais nous gain espoir parce que gain deux lots qui en réparation depuis dimanche dernier, finalement yo dit c'est jodi à côté. Maintenant, nous refaire réquisition parce que réquisition de 8 semaines que nous avons fait au début du mois de septembre, donc les faits arrivent dans la phase d'épuisée, nous renouvelons depuis vendredi, donc nous voyons dans le ministère de la Santé publique. Donc nous avons gardé espoir que la maladie continue à joindre soin. Bon, nous n'avons pas qu'à fonctionner en capacité maximale, nous, parce que c'est comme si on machine. Il y a des jours où on ne connaît que la machine n'a pas tombé en panne. Si on voit sur le courant électrique, il y a des pièces qui sautent. Donc ça a un impact sur le fonctionnement de la machine. Normalement, la condition idéale, okay, c'est que chaque patient a 3 séances de dialyse par semaine. Donc pour le moment, avec un nombre réduit d'appareils, nous n'avons pas qu'à faire ça. Donc il y a des malades qui ont 1 à 2 séances. Mais c'est pour ça que je m'a profité de Téléguinée, de l'antenne, pour nous conseiller, nous faire davantage message tout de prévention. Parce que l'insuffisance rénale, c'est une cause qui balle. Vous connaissez les maladies de tension, les maladies de sucre. Donc il faut que nous ne pas dans la phase finale. Il okay? Faut consulter le docteur plus souvent pour prendre les médicaments régulièrement et surtout contrôler le régime. Yo. Parce que l'insuffisance rénale, c'est une cause qui balle. D'autres facteurs de risque qui doivent occasionner insuffisance, comme malade arrivé dans l'insuffisance rénale. L'homme arrivé dans la direction exécutive, là, il a dit en 2016, le ministère a été 4 appareils. 9. Mais pour moi, moment-là, que je viens là, nous recevons en don 2 appareils, mais ce n'est pas appareil 9. Il y a un appareil 2016 qui est tombé en panne. Mais deux appareils que ont été faits par nous, ils n'ont pas marché, ils ont rangé partiellement. Donc, une question de calibrage que ont fait par un fournisseur. Malade qui souffre de tension, malade qui souffre de sucre, malade qui a une infection urinaire chronique, ils ont souhaité aller au docteur pour contrôler les problèmes, pour ne pas arriver dans le stade d'insuffisance. Ensuite, l'autre souhait, c'est que nous avons plus de moyens pour nous gagner plus d'appareils, pour nous prendre en charge patients convenablement, parce que l'idéal, c'est qu'on a un nombre X de patients qui gagnent 3 séances de dialyse par semaine pour que le traitement soit vraiment efficace. Normalement, c'est 5 sur 7. Pour le moment, comme nous recevons 2 en don, entre temps que tombe en panne, nous avons 6 cap machines. 6 ans, tu as 4 déjà qui fonctionnaient et puis 2 qui ont préparé, ça fait 6. C'est pour nous porter qui est sensible à la vie dans la famille, côté que malheureusement, bien souvent, c'est division, jalousie, mauvaise parole qui a gouverné.
c'est pour nous porter la vie dans la relation nous avec l'autre monde. Marie, respectez madame. Madame, respectez Marie. Petite, respectez parents. Respectez famille, respectez amis. Parents, respectez petite non. Timoun, respectez grand monde. Élève, respectez professeur. Professeur, respectez élève. Chauffeur, respectez passager à piéton. Passager à piéton, respectez chauffeur. Chef, respectez civil. Civil, respectez chef. Patron, respectez employé. Employé, respectez patron. Frère, respectez sœur. Grenègue, respectez malheureux. Malheureux, respectez grenègue. Mes amis, pinda nous bail, on papier terre plus importance parce qu'on freine, on sème, on amine. Pas qu'à gagner la vie si pas gagner la paix. Pas qu'à gagner remède si pas gagner respect. Ou même qu'à voler, respectez ça pas pour vous. Ou même qui c'est assassin, qui a tout le monde, respectez la vie. Nous ne devons pas mettre dans le tombeau rancune, nous sommes dans le tombeau égoïste et jalousie, en nous sortir. Respectez la vie, respectez la vie. Frère Maxime, si tu es bien, n'en fais méchanceté. Ce n'est pas dans l'état ça, Haïti, taillé. Youn, respectez l'autre. Saint Charles Borromé, patron du diocèse de Gonaïve, aide-nous à grandir davantage dans l'amour du Christ, dans sa miséricorde, dans sa protection. Ce Christ, bon pasteur, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.